J'ai failli mettre Smash Bros, quoi. Bon, on va sur la suite de Cadence of Hyrule. Peut-être la fin. Aujourd'hui, peut-être la fin du jeu. Peut-être le dernier épisode. Parce qu'on est au dernier château, donc c'est très possible. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir le niveau. On va voir ce que ça donne. Mais avant, on va faire un petit tour d'horizon. J'ai quelque chose à voir. Je veux quand même voir. On reviendra là après ici sans aucun problème. Je veux aller au village Cocorico faire juste un petit tour. Le problème, c'est que je sais plus où c'est. On va aller au village Gerudo avant. Vérification. Ouais, d'accord. Ça, on s'en fout. T'as vu l'épée que j'ai. Il n'y a pas un truc à me dire maintenant, lui? Ok, il dit toujours la même chose comme un âne, c'est pas un problème. Par contre, maintenant on a le grappin, le super grappin, pardon. Et je pense que c'est grâce à ça. Et voilà. Et bah, c'est parfait. Je me disais, mais comment on fait au début ça? Ah ouais, tu veux pas bavarder toi? C'est tout. Enfoiré, va. Putain, c'était tout ça pour ça, comme ça craint. Ça craint dur. C'est pas grave, au moins. Voilà, il nous manque une carte aussi. Pour ça, c'est bon. Maintenant, donc on est au village Gerudo. Il y a le village Cocorico déjà. Il y a le lac Ilia aussi, il faudrait peut-être qu'on y retourne. Oh, ta gueule. Ah, village Cocorico. On va y aller. On va vérifier qui c'est qui a besoin de nos noix mojo. S'il y a quelqu'un ici qui en veut. Ok, demain. Est-ce qu'on a tout? Mais si le ténu, on en avait plus. Problème. J'ai deux fragments de cœur. Bah oui. Ça, je crois pas que je l'ai eu ce jeu-là. C'était quoi ça déjà? Ouais, on va essayer parce que... grand chose hein. On va recommencer parce que ça je l'avais pas eu ce jeu là hein. Je l'avais pas réussi.
Ah, je l'ai eu, le fragment de cœur. Je savais bien que j'avais pas eu celui-là. Bordel. C'est bon. Donc il me manque un fragment de cœur. Il n'y en a plus aucun sur la carte. Alors, on va parler encore à des gens. Donc, regarde si on peut pas rentrer à la Zelda 3 par derrière. Encore du petit monde à voir. Il y a encore du petit monde à voir, enfin je crois. Ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est bizarre. Alors attends. Il me manque un fragment de cœur pour avoir le 100%, quoi. Et bien sûr, la dernière arme, les palmes qui me font chier. Et un flacon sûrement et une carte. On va voir, on va peut-être trouver ça aujourd'hui, on va voir. Attends, je vais baisser un peu mon fauteuil là parce que. Ah. C'est quand même mieux comme ça. C'est tout ce que tu me dis, toi? On regarde si on peut pas rentrer hein, à l'arrière des baraques. Propos. J'essaye tout. Attention quand même parce que rien à foutre. Une clé, bon. Parce qu'ici j'avais pas tout fait, je crois, hein. J'avais pas tout ce qu'il fallait. Il n'y a plus personne déjà.
Pourquoi je m'entête à être en rythme? J'ai utilisé tout le monde. C'est quoi ça? Rien du tout. J'ai pas vu ça. Pas d'où il sort lui. On a fait tout le tour, il n'y a que dalle. On a fait tout le tour. Quand même bien aller voir un peu partout encore. Mais... saleté va. Non, moi j'ai tout fait ici. Bah je sais pas pourquoi. Je vois pas l'intérêt quoi. De toute façon j'ai plus de pelle. Non mais ça sert à rien, c'est bon. Alors il y avait quoi aussi comme village? Alors attends. Tac tac tac. On va aller là. Bah ouais. Le lac il y a, quand même plusieurs parties. Peut-être une idée. Et à part ça, qu'est-ce que tu vas? Merde. Est-ce que... il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose avec ça. Bon, c'est pas ici qu'il faudra le faire. Mais il doit y avoir un truc à faire ici, hein. C'est obligatoire. Enfin, pas obligatoire, mais ça me semblerait logique.
peut-être une idée, mais... Ah! Ce serait pas con, ça! Wouah! C'est comme ça, putain! Elle est vraiment au pif, là. Hein. C'était des fantômes, ça! Putain! Et bah voilà, les palmes. Bah on a trouvé les palmes aujourd'hui. Magnifique. Ah, putain, depuis le temps que je les cherche, quoi. En fait, j'aurais pu faire ça depuis v'là le temps. Ça m'aurait évité pas mal de désagréments. Ah, c'est cool. Bah, je l'ai fumé déjà. Je l'ai fumé déjà. Ah, ok, je viens de me le dire. On a eu les palmes. Donc toute la barre du bas est remplie. Ça c'est parfait. Donc il nous manque sûrement un bocal, une carte inédite, une arme. Mais c'est tout. Et un fragment de cœur, bien sûr. Ah bah purée, je suis bien content de les avoir trouvés, quoi. Et c'est quoi ça, le surf, là? On va pouvoir nager maintenant, peut-être débloquer d'autres choses. Tu veux toi? Ah, par contre, il n'y a pas moyen de taper. Je voulais savoir si ça faisait quelque chose, ça. À la Link to the Past, non. Il n'y a pas le dernier flacon ici par hasard. Ça aurait été cool, ça. Qu'est-ce que je fous? Je sais pas moi. Ah, il y a un truc là. Ok, attends. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc là-bas. Là. Un truc qui brille là. Qu'est-ce que c'est? Ah ah ah, peut-être mettre une petite bombe là. Nada. On va vérifier un truc. Rien du tout là. De toute façon, la carte peut nous le dire.
possible que je pourrais aller maintenant? Je vais me débarrasser. Ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Un endroit où il y a de la potion. Et 8, 16, donc 160. Ouais, ok. On va avoir bien besoin, je pense, pour le dernier palais. Ça fait chier qu'il me manque un flacon et... Je pense que c'est un flacon qui me manque. Je pense que c'est... Il y a trois flacons, je pense. Ça me semble logique. Après... Après, je sais pas quoi. Enfin, je suis pas sûr quoi. Je vais me faire une petite cigarette juste avant d'attaquer le dernier donjon. Puis voilà quoi. Normalement, on va le finir aujourd'hui le jeu. Hein. Mais bon. Ce qui m'embête, c'est que. Il manque une arme et un flacon quoi. Et une espèce de petite carte. Et un fragment de cœur. C'est embêtant ça. C'est embêtant parce qu'on l'aurait fait à 100%, qu'on l'aurait fait full quoi, vraiment. Ça c'est embêtant. À peu de choses près. C'est pas trop grave. On n'avait rien dit comme quoi on faisait le 100%. C'était vraiment... imprévu. Mais bon. C'est marrant, il y a la musique quand le hibou arrive dans Link Awakening, enfin, le son dans la musique du magasin. Faire bien attention. Bien attention, mais on l'entend. Je vais laisser juste un peu. Vraiment un bon remix. Allez. On va essayer de se mettre full quand même. Ah bah c'est presque ça, c'est bien. Voilà, on est full, on se casse. Et bien sûr, on se regarde ici. Au moins, on a trouvé les palmes. Hein. C'était pas si facile que ça à trouver d'ailleurs.
Mais quand même, je suis borné. Un fragment de cœur, ça m'embête quand même. Et un bocal. Ouais. Et les noix mojo aussi, ça m'embête. Tant que ce sera pas à 100%, ça m'embêtera quoi. Bon, ça, les mini-boss, on s'en fout, ils repop aléatoirement et infiniment. À tout visiter. On a tout eu. C'est les pierres, on les a toutes eues. Bon bah, on est fin prêt à attaquer le dernier donjon, hein. On est prêt. C'est parti. Là c'est Zelda, là c'est Link. Donc quand c'est vert, c'est Link. C'est Zelda, c'est pareil, mais c'est de l'autre sens. Très bien. Va falloir jouer avec les interrupteurs. Là, pour l'instant, il n'y a personne. D'accord. Quand même, vérifier quelque chose. Passer qu'avec Zelda ici. Ok, ça on le saura. Ok. Ok, en fait, faut le jouer ici, non? Non. Ah, d'accord. Ah, putain, je suis. Des fois, je réfléchis pas. Enfin, je regarde pas assez. Attends, on va la rejouer vite fait, hein, parce que... Merde, j'ai pas regardé ta gueule. Merde. Du.
Ah, une épreuve! Merde. C'est tout? Première fois que je joue avec Zelda, hein. T'inquiète. Oh ouais. Bah la voilà la dernière arme. Vous avez obtenu la rapière royale. Ce Zelda peut s'en servir, elle peut infliger 2 points de dégâts. Si vous vous élancez de 2 cases en avant, elle inflige 1 point de dégâts supplémentaires à vos ennemis. Ça y est, je l'ai eu l'arme là. Oh. Quoi, c'était même pas la dernière arme, mais t'es sérieux quoi. Bon, ok. Rester avec Zelda pour l'instant. Ah non. Récupère tout quand même. Hein. La musique est pas mal. Hein. Encore une fois d'ailleurs. Il n'y a que de la bonne musique dans ce jeu. Quoi. C'est juste énorme.
Avec l'épée que j'ai, lui. Il fait pas long feu, lui, hein. Putain, la vache. V'là l'épée, quoi. Bâtard. Si c'est bon, bah non, pas encore. Ah, y a un truc là, j'avais même pas vu, tiens. Y a encore une clé, yes. Je l'ai. Ah oui, je l'ai, la glace. On va reprendre du feu là. Le coffre là, je pourrais pas parce que j'ai pas. Je crois. Hein. Ah si. T'es sérieux toi? Bah là, voilà la dernière arme. Magnifique. Mais je vais pas la prendre, je vais garder mon épée moi. Par contre, qu'est-ce qu'ils font mal les ennemis quoi. De quoi encore ça? Non. Ok, par contre, moi je veux mon épée là. Hein. Ah, où c'est qu'il y a un ennemi là? Donc je peux pas avancer librement, c'est pas bon. J'ai grillé une potion quoi. Thank you.
il me manque une carte et un flacon sûrement. Putain. J'ai la carte et la boussole. Pas de problème. Bon. Il me reste un bocal. Aïe. Pourquoi tout ce bordel là? La clé du boss. Déjà? Sérieux? Allez, on fonce, on n'a pas peur. On va quand même se faire une petite save avant. On n'est pas des gueudins non plus. Du-du-dum, du-dum. Qu'est-ce que je vais prendre comme arme? Je vais pas garder les... Mais c'est ténueux. C'est quoi les dernières flèches que j'avais? On verra bien sur le tas. J'ai cassé mon combo. Personne. Mes instruments. Octavo. Ah. Il reprend tous les boss. Merde.
Eh ben c'est chaud. Et puis il me Oui. reste juste une potion quoi. Je restais avec Link, j'ai dit bordel. Y a pas moyen de se remettre full. Ça aurait été pas mal. Oh, c'est pas grave. Oh, on y va. Même pas peur. Ah, une statue checkpoint qui nous remet full. Ça, c'est magnifique. Merde! Oh, le con! Excellente musique, encore une fois. Juste énormissime. Ah, il y a les petits canards de A Link to the Past. Ah, je suis amoureux de la zik là. L'alarme de malade. Le fléau ilien. C'est assez chaud. Hein. C'est quoi cette épée là? Encore? Eh, voilà les armes. En fait, je suis en train de toutes les choper là. Ouais, mais moi je préfère garder mon casse-tête. Il est cher celui-là. Des boîtes. Hey!
Il y a une fée. Ah, saloperie. Oh, l'arnaque. J'ai plus de potions. Oh là là. Bah, c'est la carte du donjon que j'ai là. Ah, okay. Très mal lui hein. Mouru. Ah putain, puis me remettre là. Bah, c'est de ma faute, j'avais pas pris de potion tout à l'heure. Ah, cool, c'est en diamant qu'on paye, pas en rubis. Oh yes. Oh yeah. J'espère que j'ai gardé toutes mes armes. On va voir ça. Tac, tac, tac. Ça m'a l'air d'être bon. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, c'est dans l'ordre. On reprend notre casse-tête. Et c'est quoi qu'on a là, là-haut là ? Ok. Ça va, tu conserves quand même. Un mini boss ici quoi. Merde, j'ai oublié une clé.
Putain, j'ai pas de clé. Par contre, il y en a une là. Il me reste une potion. Oh la vache. Ah, une nouvelle arme aussi. On va la garder. On va la tester. Elle aussi, elle a quasiment toutes ses armes, quoi. Super. Et là j'ai plus rien quoi, putain la vache. J'en étais sûr. J'étais sûr que j'allais crever là. Putain vache! Oh la vache. Ouh, là c'est. Ça rigole plus là. Hein. Ça rigole quand même moins là. Ah, tant mieux, tant mieux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Par contre, je vais garder ça, ce sera plus pratique parce que c'est quand même l'épée du courage, quoi. Je les ai déjà. Oh oh, elle est où alors?
Oh! Il a rien de bien en plus ici. What? Eh B, mon copain, par contre j'ai perdu aucune potion. Oh la vache, oh, c'est le monde des ténèbres quoi. En fait il est inversé le niveau là, je le vois. Et on peut rien cramer, non ça marche pas. Okay. Ah, petit cœur, on dit pas non. Il y a une statue, j'avais pas vu. Waouh, ça fait du bien. Wouhou. Ça fait du bien. Et il nous manque la clé du boss uniquement. Bon, on va aller voir déjà là-bas ce qui se trame. Bon, on peut rien cramer. Par contre, on peut faire quelque chose. Pourquoi on peut pas le pousser si on peut pas faire là? Pourquoi? Je vais ressortir vite fait. Pourquoi?
Attends, peut-être j'ai une idée. Ouais. Ça pourrait pas être con. On va voir. Eh ben, c'était pas con. La grande pelle d'Eli. Seule Cadence peut s'en servir. Ah ouais, d'accord. Ok. Ben, c'est plutôt sympa alors. Donc c'est une arme pour Cadence. Bah, y a rien d'autre à faire ici. Hein. Pas d'autres trucs par là, non? Non. Ok, bon. Ok, ça va. On va le niquer sa tête à Ganon. Il est beau, hein. Ils l'ont bien dessiné, quoi. Franchement, à part cet épisode-là, toujours. Par rapport au graphisme, c'est pas mal. Attends, j'essaie de comprendre. Prendre du feu déjà. J'ai pas touché. Eh mais... Elle est en train de se faire défoncer Cadence là. Pouf. Eh c'était chaud là. Putain j'ai... J'ai eu de la chatte là. Hein.
After defeating Ganon, c'était sa phase finale. But not only was I still in a different world, que les autres, I had also traveled into the future of that world. With no hope of getting home, I was completely lost. Bon, bah, je crois qu'on a fini le jeu, tout simplement. But then Link and Zelda told me about the Triforce that had started all of this. Zelda thanked me for helping to save Hyrule. Then told me to picture in my heart what I wanted most of all. Link and Zelda held their hands to mine, and something familiar happened. When I opened my eyes, I was falling again. I just hope I land in my own world this time. Bon, on a fini Cadence of Hyrule. Presque à 100%. Il nous manque un fragment de cœur, un flacon, et c'est tout. Autrement, on a eu toutes les armes upgradées. Tout. Donc franchement, très très bon jeu. Franchement, terminé en 8 épisodes à presque 100%. Pas mal. Bah très bon jeu, moi j'ai adoré, je kiffe. On a envie de le finir quoi, on a envie de voir ce qu'il y a après quoi. Tellement c'est original comme système de jeu déjà. Moi je connaissais pas ce genre de jeu de rythme. C'est le premier que je fais de ma vie. Et franchement, ça me donne envie de faire Crypt of the Necromancer. Crypt of the Necro Dancer, l'original quoi. Pareil qu'il est plus dur, qu'il est très bon aussi. Donc à voir. Pourquoi pas. Mais bon, là j'ai pris celui-là parce que c'est l'univers Zelda quoi. Mais pas très très dur comme jeu. Surtout au début. Mais une fois qu'on est bien équipé, qu'on a beaucoup de cœur. Ça passe crème. Même en faisant un peu... Même quand on n'arrive pas à suivre certaines pulsations. Ce qui n'est pas évident au début. Mon avis sur ce jeu, c'est que c'est un excellent jeu indépendant. Dans l'univers de Zelda. Excellent. Bon bah, c'est le dernier épisode. C'est la fin. Comme ça, on aura joué avec les trois personnages dans le dernier donjon en plus. Donc c'est bien, tout est bien pensé. Musique, graphisme, architecture de la map, les donjons qui pop aléatoirement quand on perd. Franchement, on voit que c'est des fans qui ont fait ça, quoi. Qui ont fait ce petit jeu, parce qu'il n'est pas très long. Hein. Même à 100%, il n'est pas très long. Parce que... Special thanks à Koji Kondo. Ah, il a participé à la musique, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, la musique elle est trop bonne quoi. Vraiment. Très très bon jeu. Surtout, les gens, si vous regardez ce replay, ne vous faites pas spoiler si vous n'avez pas fait le jeu. Faites-le par vous-même. Ne vous spoilez pas. Découvrez-le du début à la fin comme moi. Si vous êtes fan de Zelda, vous allez passer un pur moment. Moi, j'ai pas touché d'autres jeux depuis que j'ai commencé celui-là. Pas très dur, pas très long, mais il y a de quoi faire quand même. Je sais pas, je dois en être à 14 heures de jeu peut-être, 8 épisodes, 14 heures de jeu en tout, en cherchant tout.
pour 20 balles, franchement, petit bijou. Je le conseille fortement. Un véritable petit bijou. Bon, la fin, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Merci d'avoir tenu le rythme. Tu m'étonnes, toi. Ah, par moment, c'était chaud. Classement speedrun, alors. Temps de jeu. Ah bah, 12h16 minutes 31 secondes, j'ai fait. Nombre de pas, 74 288. Classement nombre de pas. Regardez. Classement speedrun. Attends, bah, je veux regarder quand même. Ouais, bah, d'accord. Moi, je suis pas un speedrunner. Je ne suis pas un speedrunner d'auto. Je suis pas dans le classement des pas non plus, ça c'est clair. Bon, c'est pas mal. Voilà. Et je suis mort 28 fois tout au long du jeu, donc ça va. Hein. Franchement, ça va. Plutôt cool. Voilà, et puis après on te remet là. Donc on a tout sauf un flacon. Et un fragment de cœur. Autrement, on a tout. Il y a une petite carte comme ça qui nous manque, mais ça, c'est dans les coffres aléatoires, donc c'est pas important spécialement. Dès qu'on utilise, hein, voilà, hop, elle disparaît. On va montrer. Hein. C'est des aptitudes hein, qu'on obtient avec ça. Voilà. Donc ça, ça sert à... Voilà quoi. Donc voilà, terminus. Terminé pour Cadence au Firul. On va vérifier quelque chose, quand même. Alors, moi d'histoire, personnage unique, défi du jour. Ok, il y a des trucs hein, quand même. Hein. Ah, c'est le mode sans pitié, d'accord. Ah, ça c'est bien ça. Une chance par jour, waouh. Sans changer de personnage, bah, c'est ce que j'ai fait tout le long du jeu, je suis resté avec Link. À part dans le dernier château où c'était imposé de jouer avec les trois. Parfait. Voilà, on va s'arrêter là, c'est la fin du jeu. Bon visionnage à ceux qui regarderont, tchuss.